Aujourd'hui, on va dormir dans un jeu McDo. Mais cette fois-ci, sans aucune autorisation. Vous avez vu, la dernière fois, on avait dormi dans un trampoline park. On avait dormi sur un toit, sur un rond-point, ça allait. Mais là, les gars, on est passé à une étape au-dessus. Je crois que c'est la vidéo la plus stressante que j'ai vue pour le moment. Oui, moi aussi, de toute ma vie, c'est la vidéo la plus stressante. J'ai l'impression que tout le monde nous regarde dans mon enfant de canouille, alors que non, on fait pas une connerie. C'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. Mec, première étape, on va commander. Deuxième étape, on va se poser sur la terrasse devant les jeux. On va manger tranquillement. Et au fur et à mesure, chacun son tour, on va aller dans le jeu. Ah, regardez le jeu, les gars. Hey, ils sont stylés, hein. Tout est ouvert. C'est incroyable. Allez, moi qui régale, allez-y. Raphaël, il a la même couleur que la borne. J'ai un peu faim. Ok, ouais, non, ok. Après, ça me fait plaisir, je vous paye, les gars. Après, Tu vas bien t'amuser. Ok, je le dis haut et fort, j'y vais en premier. Quoi? Oh là 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 là. Là, là, c'est le moment où je me dis, faut y aller. Oh, le petit jeu. Je pense que le mieux pour l'instant, voilà, c'est de se mettre dans le toboggan. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oui, 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 tout en haut, tout en haut. Il est où, Raph, il vient? mais toi, surtout qu'on ne voit pas. Moi, tu vois, là, on me voit pas du tout, c'est parfait. Touche à rien. Tu vois, là, d'ici, la meuf, elle a failli me voir, la meuf du McDo là-bas. Moi, faut que je reste comme ça. En fait, le truc le plus chaud, c'est qu'à 23h, ils vont fermer les toboggans, toutes les entrées. On pourra plus sortir. Donc, j'avoue que c'est grave dangereux, le faites pas. Si jamais il y a un ou trois qui a un problème, c'est chaud. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Là, on va devoir attendre la fermeture du McDo, parce que tant qu'il sera pas fermé, on va devoir faire aucun bruit, pour pas se faire cramer. Et ça, ça va être le plus dur. C'est visible de partout. Il y a des fenêtres de partout. Du coup, le McDo, il ferme à 23. Ouais. On est jusqu'à minuit, au moins sûr qu'il y a des gens. Putain, mais j'ai trop mal au dos. Merci. Là, c'est bizarre, on a entendu un bruit en bas, comme si ils étaient en train de commencer à fermer. Actuellement, 23h03. On s'est pas fait cramer, ça c'est essentiel. J'en peux plus les mecs. Pourquoi? J'ai envie de rentrer. Pourquoi je fais ça? Actuellement, minuit 57, donc ça fait 7 minutes que le travail est terminé. On est tranquille, sa mère. En fait, le pire, c'est que sur les autres tournages de Rondaro, en fait, on pouvait parler. C'est ça. Là, mec, ça fait 2 heures, on bouge pas, on parle pas. Oh, c'est mentalement, c'est horrible. J'ai toujours envie de pisser, franchement, sans envie de pisser, ça serait tellement mieux. Bon, les gars, petit problème. 1h30, il y a toujours du monde à l'intérieur. Bon, là, à cette heure-ci, c'est des closers. Ils s'occupent de tout nettoyer et de préparer la salle pour le lendemain. Et ils vont terminer vers 7h du mat. Ouais, on est dans la merde. Encore une fois, va devoir faire attention à pas se faire cramer. Mais par contre, là, faut que j'aille pisser, moi, ça c'est sûr. On va essayer de se relayer. Et les gars, moi, j'y vais en premier. Ok, je vais pisser. Vas-y, va pisser. Oh, ça fait tellement du bien, mec. Merci, Raph, tu m'as sauvé la vie, putain. Féa, ça va? Tout à l'heure, j'en pouvais plus, c'était horrible parce qu'on pouvait pas parler et tout. Là, ça y est, enfin on peut parler. C'est tellement mieux. On va essayer d'aller voir un peu comment ça se passe, comme toboggan et tout. En fait, depuis le départ, ici je croyais que c'était la sortie, mais en fait, pas du tout. Je sais pas, j'ai peur. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai peur. Oh, cette vue là du McDo, les gars. Mythique. Non, rigole pas, mais on se fait cramer, c'est nos vies. Dépêche-toi, c'est là. Non. En tout. Ah. C'est bon. Il a mis un jour. Pitié que si j'étais en temps là.
C'est hier, s'il te plaît. Putain, les cons, ils sont jetés dans le toboggan. C'est hier, moi. Non, mais c'est mort, wesh, c'est mort. Je peux pas. Je suis là. Je peux pas t'aider. Putain, on va se faire cramer. Ta cam, elle a. Ta cam, elle a plus de batterie. Mec, c'était horrible. Je suis dans la situation la plus inconfortable au monde. J'ai qu'une envie, là, c'est d'être dans mon lit et de pouvoir me dégourdir les jambes. J'en peux plus. Aidez-moi. C'est plus fun que de dormir sur le rond-point. Hein. Non, le pire du pire, c'était dans le cube en verre. Oh là. T'as dit quoi, Raphaël ? Viens, on rentre dormir ? Ouais. Moi, je suis chaud de rentrer dormir. Non, on rentre pas dormir, les gars. Les gars, dans un lit chaud. Sans ma chaîne, il n'y a pas de fake. On dort vraiment dans les endroits. Je m'en fous, les gars. Vous avez accepté, maintenant, on termine ça. Je l'ai accepté pour... J'ai cru que le truc, c'était manger au McDo et pas dormir au McDo. Il faut plus écouter la prochaine fois, Raphaël. Il est 2h24. On s'amuse fortement. Tellement bien, les jeux pour enfants. Waouh. Je paierai pour rentrer chez moi. Dans ma tête, c'était pas comme ça. S'il te plaît, laisse ce rush-là sans cut pour qu'on voit à quel point y a aucun fun. Y a vraiment, mais zéro fun. Surtout le bruit de fond là, il est. C'est un volant où tu fais tourner et y a un truc au-dessus qui tourne, mais géant, genre. J'ai un truc à vous proposer, les gars. On va faire un petit jeu et celui qui perd nous trois va devoir passer dans le toboggan de la mort. Je vais faire tourner la roue. Attention, et c'est parti. Attention, c'est ya. Mais tu crois vraiment que je vais prendre le toboggan? T'as fait exprès, attends, remonte. Remonte-moi la frontière. Bizarre, wesh. Il a pas mis une fois en tout. T'es sérieux? Quel chien de la casse. Ok, ça c'est les aléas du direct. Ça, c'est un merde. Putain. Mais c'est tellement petit, frère, on fait que ça. C'est fait à quatre potes. Il s'est fait une crampe, le malade. Oh, merci, mec. On essaye de s'en sortir comme on peut, les mecs. Bon, mec, moi, mon lit, ça va être dans le toboggan. On va tenter, hein, parce que tant que je suis pas installé, je peux pas te dire si je vais pouvoir dormir là-dedans. Bon, bah, nous, on va se débrouiller pour dormir. Moi, je passe une nuit sympathique en compagnie de Raphaël. Oh, putain. Il y a tout ce que je déteste, dormir au froid et avec Seigneur. Y a pas à agir comme ça, mec, tu sais, hein, entre nous deux, franchement. Bon, bah, à demain, et on va essayer de manger un petit déj, genre vraiment, on va descendre dans le toboggan, là-bas, là, tranquillement, et on va aller direct devant le McDo, prendre le petit déj. Genre, c'est vraiment l'hôtel, mec. On va essayer de dormir. Si vraiment j'ai de la chance, et que les étoiles se coïncidissent, Oh les gars, il est 5h du mat, waouh, on va se lever pour aller manger, là. Et non, c'est faux. Je pense que je vais... Oh, la vue, elle est incroyable. Je pense que je vais bien dormir comme ça. Mais je sais pas ce qu'il y a en fond, ça fait grave peur, ouais, d'aller voir. C'était bien fait, hein. Allez, on va essayer de dormir un peu. Dormir sur un rond-point. Ok, c'est validé. Dormir sur un toit, c'est validé. Dormir dans un cube en verre, c'est validé. Dormir dans un trampoline park, c'est validé. Et dormir dans un jeu au McDo, c'est validé. Bon, au final, on dort comme ça parce que c'était impossible pour moi de dormir dans le toboggan. Donc il va lui falloir nous casser les couilles. Bah en même temps c'est le seul endroit ici où on peut dormir, frérot. Il y a l'étage du bas, hein. Oui, je vais y aller dormir tout seul. Le but c'est qu'on dorme toujours à côté, les gars. Bon, là je pense que ça devrait être un peu plus, on va dormir. Allez. La pire nuit de ma vie. Se faire réveiller par le froid, en pleine nuit, de voir son pote qui a deux doigts de craquer et de pleurer tellement qu'il en peut plus d'être ici, c'était horrible. On a dû prendre une décision. Bon. Au final, ça ouvre à 8h. Là, on n'en peut plus, on meurt de froid, on n'arrive pas à dormir, c'est horrible. Du coup, on décide de partir plus tôt. Parce que là, c'est horrible. Alors, 6h50, là, on peut pas attendre 8h, là, impossible. Par contre, on peut sortir, je sais pas comment on va faire. Oh, yes. Oh, si je savais que cette porte on pouvait l'ouvrir manuellement, putain, c'est terminé. Bon, les gars, ça va. Waouh, j'ai tellement froid. Il y a zéro abusement, ouais, overgact. En plus, avec le beau camomago juste derrière, dans ce que je veux te dire, mec, c'est
la pire nuit que j'ai passée de ma vie, genre. Franchement, sans déconner, j'ai failli chialer au moins 5 fois, gros. J'ai tapé des crises de nerfs. Je sais, mais moi je voyais, mais moi je réagissais pas parce que c'est pire. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire, on dort où la prochaine fois. Et surtout, abonnez-vous. Bisous. Allez, go, j'en peux plus, ça mère la pute. Bon, ce matin, vous m'avez vu sortir du McDo, ok? Et bah, ce soir, j'étais tellement fatigué. Regardez ce que je viens de faire. Je me suis endormi sur la route comme j'ai jamais fait de ma vie et j'ai foncé dans quelqu'un. Horrible. Cette vidéo, je vous jure qu'elle a été horrible, mais du début jusqu'à la fin. Hein.